Voilà, là je suis super content. Je suis super content parce qu'on a ce qu'on attendait depuis 3 semaines, c'est-à-dire du chauffage. On n'a toujours pas de chauffage. Sincèrement, pouvoir faire que le système de chauffage fonctionne avant la fin de la semaine. C'est dans 5 minutes, j'ai pas chaud. Je fais un feu dans la tiny. Une nuit de plus sans chauffage. Et il fait toujours aussi froid. Wow. Heureusement, on a notre petit thé. On a un imbécile là-haut. Tu vois ou pas la fumée? Tu veux le voir? Alors aujourd'hui, on va installer le poêle de la Tiny. Donc, c'est assez compliqué parce qu'en fait, on a une. Installer le poêle, ça va, ça c'est fait, il est déjà fait. Par contre, ce qui va être beaucoup plus compliqué, c'est d'installer la cheminée. Donc, c'est une cheminée qui va partir par au-dessus du poêle et traverser le plafond. Et c'est là que tout se complique parce que c'est une toiture plate et réussir à faire l'étanchéité convenablement de la toiture plate, c'est pas du tout une chose facile. C'est quelque chose que normalement le fournisseur de poêles ou de cheminées veut pas faire et fait faire par un couvreur professionnel. On n'est pas couvreur professionnel, mais apparemment on va devoir le devenir, donc on va voir. J'ai enfin de finir cette cheminée. Je sens plus mes doigts. Plus. Il fait zéro, je crois. Et je mets sur le feu. J'en pas que c'est chaud. Cassé. Qu'elle bouge. C'est cool. On va pouvoir s'allumer son premier feu, hein, je crois, pour tester. Voilà, donc là. Je viens d'allumer un petit bout de carton dans le poêle pour voir ce que ça va donner, si ça va pas foutre le feu, s'il n'y a pas une fuite quelque part. On ferme. On observe. Ça a l'air de bien brûler à l'intérieur. Que ça n'a pas l'air de fuir par ici. C'est quand même un point délicat. Ici, ça a l'air d'aller. On va voir si ça fait de la fumée. Ça fait pas de fumée, mais bon, il n'y a qu'un petit bout de papier. Hyper heureux parce que là on commençait vraiment à avoir vraiment très très froid la nuit et c'est vraiment trop chouette. C'était pas facile à faire. Au-dessus il y a un truc pas tout à fait terminé pour l'étanchéité, donc faut vite que j'aille le faire avant qu'il pleuve. Mais vraiment c'est trop chouette. Là ça fume. C'est une tech.
Normalement, on peut faire mijoter notre bouffe dessus, ou faire cuire du thé, je sais pas. Mais... stylé en tout cas.